cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission qu'on remet en pile là, émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui porte des sujets chaque semaine pour vous. Et comme présentatrice, c'est moi-même Léonie De Rose, infirmière, tricologiste, qui a dit au Prince Chesbo, relais en mou. Reléo pour être capable de suivre une belle émission, pour ne pas dire une plus belle émission que nous fait pendant l'été. Jeudi, dans l'émission Bien-être et Beauté, nous avons parlé effectivement de santé, nous avons parlé de bien-être, mais c'est toujours nous avons été dans le niveau de l'école. Ça fait nous gagner ensemble avec nous, directeur de santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale, qui est docteur Ewol Joseph, que nous avons dit bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté, nous sommes bien contents. C'est un plaisir pour moi tout, Léonise. Pour nous participer dans l'émission ça et puis nous remercier Centraca qui invite nous venir mais on dit nous c'est tricologiste bon occupé à faire cheveux bon même d'a bien aimé quelques cheveux sur tête moi on t'a mettre dans fond greffe son affaire donc c'est là nous fin passer dermoscope là sinon ouais que pour yo vivant nous capable dire est-ce que cheveux a pousser encore ou bien est-ce qu'elle pas pousser donc nous gain appareil pour ça pour nous dire pour nous garder viabilité de cheveux calés ou est-ce qu'il y a tourné. Donc ça, c'était un détail. Yes. Pour moi, qui suivent l'émission Bien-être et Beauté, c'est qui est-ce qui est docteur Ewol Joseph? En fait, moi-même, moi, c'est médecin. Et moi, c'est spécialiste en maladie respiratoire. Et puis ensuite, je suis orienté vers la promotion de la santé. Okay? Donc, depuis quelques années, moi, c'est directeur de la santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc, est-ce que ça me dit assez? Bon, depuis combien de temps vous êtes directeur? Bon, on y a la formule 10 ans et depuis que je suis directeur, mais avant, ce n'est pas ton direction, c'est après, nous-mêmes, nous venons dans notre direction. Après, voilà. Non, ce n'est pas tant, c'est unité, parce que c'est ton initiative qui te prend et puis ensuite, il vient transformer en direction, il vient ouais, importance, aspect santé dans l'école. Là. Ok. Mais quand comme si quand des monde les invite dans l'émission, on dit bien-être et beauté. C'est des beautés seulement on parlait de bien-être comme si ou te ka est-ce que l'aime t'invite l'autre ouais que gain rapport avec ça faire avec thème émission. En fait, l'aime toi bien-être et beauté et puis moi Centraca, moi connais que son l'école qui en cosmétologie. Moi dit mais quel rapport? Mais l'aime moi mieux bien-être, hein? Moi dit bon, là me sentir plus à l'aise. Et puis puisque nous connais que la santé et OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. On dit, bon, nous, la santé quand même. Et puis, quand même, la santé et la beauté, il y a des rapports. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est une occasion vraiment importante pour nous parler d'un sujet qui passionne mon pile et en lien avec Centraca. Oui, moi, je parle de santé scolaire comme si c'est un bail qui passionne. Qui ça qui attire dans la santé scolaire là? Avant de nous parler de qui ça lien au fait. Ok. Bon, ça qui a attiré, bon, en fait, au départ, je ne suis pas décidé de aller dans la santé scolaire. C'est un ministère qui me dit, ah oui, t'as rien, mais mettez en entité santé dans l'école, dans le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, c'est comme ça. Et puis, nous sommes venus, nous étions là, c'était le ministre Buteau à l'époque. Et puis, Pierre Buteau. Et puis, là, ça, nous écrit, nous chitons là, un seul ordinateur de gagner. Et puis, nous commençons à écrire ça, santé scolaire là, nous définissons. Et puis, nous venons écrire ce qu'on appelle le cadre de référence de la santé scolaire. Et puis, nous commençons à faire quelques activités. Et puis, de une période, bon, on a plus politique un peu dans le ministère là. Nous devons quitter ça, et puis nous devons retourner. Et puis, c'est là, ça, que Livine tournait en direction
ils viennent plus comprendre l'importance et entité ça que nous relie la direction santé scolaire que nous relie entité santé nutrition et éducation autrefois. Ils changent nom et bien que il y a des bagages qui supposé faire pendant les gars et du point de vue légal qui peut qu'on fait et qui c'est le cas pour tout en pile direction dans le ministère éducation nationale. OK. Donc santé scolaire pour public c'est qui ça? Santé scolaire, santé dans mi-temps l'école, c'est qui ça? Santé, est-ce que ça réel en Haïti? C'est ça. En fait, santé scolaire aujourd'hui, hein, c'est exactement ça, c'est santé en dedans l'école. Mais maintenant, qui ça que santé? Nous on sait l'école là, mais qui ça qui santé? C'est ça qui est important. Et tout à l'heure, nous avons commencé par définir la définition que OMS était bail de santé, hein. C'est la définition qui existait, qui prévaut depuis l'année 1946, depuis la conférence d'Alma-Ata. Et donc, santé, c'est ça, comme ça, on définit, parce qu'autrefois, on était pensé que santé, c'était seulement absence de maladie. Autrement dit, pas malade, ça veut dire qu'on est en santé. Mais même définition, ça a tout, mais quelle autre définition qui existait concernant la santé? Oui. Nous capables de la santé comme un état d'équilibre. Oui. Et interne, c'est-à-dire entre les tout organes à fonctionner correctement. Et un état d'équilibre aussi entre l'homme et son environnement. Et justement, là nous dit santé scolaire, ce n'est pas une entité qui est dans le ministère, côté où on apprend comment vivre un docteur ou bien pour avoir soin. Soin, on la donne tout. Parce que ce que nous ne pas comprendre, c'est que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas là normalement pour avoir soin. Mais par contre, il y a un aspect soin qui est important tout dans l'école pour les écoliers. Est-ce que ça me dit? Donc là, nous dit santé, il faut nous dire que santé que nous gagnons, ça nous gagne santé. Parce que tout le monde dit santé, mais c'est un terme, comme tout concept. Autre. C'est un terme, c'est un concept. Mais maintenant, la réalité, je nous suis habitué à dire, est souvent différente de idées, de mots. Parce que moi, par exemple, traduit exactement sa réalité. Okay. Donc, il faut nous voir qui s'accentue. C'est-à-dire que, quand il y a des gens qui sont pas malades, qui ne souffrent pas, qui ne gagnent rien, eh bien, les gens ont tendance à dire qu'ils sont en santé. Mais maintenant, santé que nous avons parlé, il faut que nous fassions public. Là. Et il faut nous commencer depuis les petits gens, tout petits, dans l'école, depuis le kindergarten, de jusqu'à ce que les rivières fondamentales, en secondaire et au niveau universitaire et public là en général, puis comprendre qui sa santé en y est. Et si vous dans l'école, faut comprendre que santé le bon paquet de facteurs qui est responsable de santé. Et c'est ça, il y aurait les déterminants oui, de la santé. Nous parlons pile de ça, non? De ça, là, justement. Ouais. Donc, déterminants de la santé. Et Centre Aka, tout, les Gouanais, qui ont essayé d'appliquer tout le ça et tout. Oui. Mais sans, et santé, il y a un paquet de déterminants. Et il y a plusieurs groupes de déterminants. Ça, responsable de la santé, en grande partie, c'est comportement avec habitude de vie. Ouais. Et la donne, il y a nutrition, ça va manger. Oui, c'est le premier élément. C'est le premier élément, évidemment. Il est très vaste, comportement et habitude de vie. Il contribue à 43% au moins la santé individu et la population. L'autre deuxième groupe qui détermine la santé, ça va être l'environnement que tu vas vivre. Ouais. Environnement physique, psychologique, tout, social. Oui. Tout ça, c'est important. Ou après que dans le pays, côté environnement sale, et puis, ou bien il y a un environnement, il y a un stress tout le temps, grosse de maladies que nous avons. Choléra, on va prendre ça aux États-Unis, ni typhoïde, ni parasite, ou bien Canada, on va prendre pays. On va prendre maladie en France, on va prendre maladie ça, facile. Pourtant, il y a un endémique en Haïti. Voilà, il y a un endémique en Haïti. Donc, c'est que une série d'environnements qui prédisposait déjà à une certaine maladie. L'autre facteur, l'autre déterminant de la santé, c'est ça que nous avons appelé la biologie. Biologie, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire avec une maladie congénitale. Les, par exemple, ou petit bébé, vous avez des maladies qui apprennent plus facile parce que la résistance est plus faible. Et même gens tout, leur arrivé à l'âge extrême, où vous avez plus que 50, 60 ans, 70 ans, et bien là, ça, on sait que de l'autre maladie, tout capable de prendre. Ça, cancer, qui a fait apparition, hypertension, maladie cœur, tout bagage, ça y est. Donc, biologie a son déterminant. Mais par contre, vous n'avez pas de pile action capable de faire contre la biologie. Parce que vous avez une maladie, donc vous diabète, mais quand même, vous êtes capable de manager. Maintenant, l'alimentation est capable de corriger. Voilà. Donc, l'autre groupe de déterminants que nous avons le plus souvent, c'est ça, nous avons le système de soins. Comment organiser soins en un pays?
Or, lui-même, il contribue à 11% de la santé de la population, mais il a 90% du budget. Ah. Autrement dit, si nous, chez ta soeur, nous avons tant de monde malade pour nous soigner, nous ne pouvons pas assez de cobre, surtout dans le pays pauvre de Haïti. C'est ça fait qu'il faut agir sur la déterminante de la santé. Donc, il faut agir en amont. Ça veut dire qu'il faut faire promotion pour la santé au lieu de traiter le monde. Au lieu de traiter le monde. Promotion de la santé, ce n'est pas marketing seulement pour la santé. C'est faire le monde, si le monde comprend depuis le tout petit, qui sa santé est. Qui facteur qui est capable de santé. Qui comportement qui est malade plus souvent. Qui environnement les gains qui est capable de plus délétère pour lui, plus grave pour lui, pour une série de maladies. Et en même temps, tout, il faut un système de soins qui est bien organisé, puisque le système de soins sont des déterminants importants. Parce que les gens sont malades, il faut soigner, ou bien la mourir, ou bien la un handicap pour la ville. Donc, autrement dit, il faut voir la santé de manière holistique. Mais comme on a toujours dit, qui est encore plus important, on peut parler un petit peu trop, c'est que santé en tout, elle est implantée dans la vie de tous les jours. Si les gens sont en santé, ce n'est pas même si les gens sont en tout. Donc, la vie de tous les jours, il y a une façon qui peut permettre qu'on rester en santé. Ouais. Quand pilote facteur économique, évidemment. Bon, bref, en tout cas, en oui. gros, vous ne pouvez pas arrêter. En tout cas, pour santé scolaire, là, c'est tout ça qui pour dans l'école, là, c'est ça en termes de en définition? En fait, premièrement, mais ça lié, je nous dis, premièrement, nous gagnons une mauvaise compréhension de la santé en général. Je me dis, les hommes, les êtres humains et les Haïtiens, mais pas en tout. Même gens, nous avons une mauvaise compréhension de la vie. Donc, il faut nous essayer de développer la bonne compréhension de la santé. Donc, c'est ça, un premier objectif santé scolaire. Et ça paraît tout le cadre de référence de la santé scolaire. Et nous avons des documents de politique de santé scolaire qui, justement, qui ont une finalisation qui peut porter la donne, qui, justement, essayer de définir tout aspect. Ça. Donc, il faut que ou une bonne compréhension de la santé. Si compréhension est fausse, on va pas agir mal. Okay. Et certains monde comprennent. Deuxièmement, faut ou intégrer santé ça dans le milieu éducatif, scolaire et universitaire. Okay. Cette bonne compréhension. Est-ce que santé scolaire dans la sphère d'action, dans ce qu'on fait dans la direction santé scolaire, dans quel niveau agit? Est-ce que c'est kindergarten, primaire, en fait, justement, si nous avons lu, malheureusement, pas de possibilité pour lire, nous avons un document. Et donc, santé scolaire, là, il étend depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement technique et supérieur. Oui, mais où okay? Mais, non, c'est-à-dire que c'est ça, santé scolaire, là. Mais ça ne veut pas dire que tout le bagage est un gaillé, tout côté, je nous voulais. Hein, parce que nous travaillons des fois avec les universitaires, mais surtout, nous travaillons avec les élèves dans l'école, surtout. Mais au niveau université, là, nous travaillons avec tout, mais de manière beaucoup plus sporadique. Mais c'est ça, on a son objectif vers lequel nous tendons. Parce que faut prendre la depuis la base. Et jusqu'à l'arrivée à l'université, il faut que nous comprenions. Est-ce que nous avons une couverture nationale, même au niveau primaire, en matière de santé scolaire? Est-ce que toute l'école est touchée avec l'action santé scolaire? Là? Faut nous dire que l'effet santé scolaire a vu une réalité à travers toutes les écoles. C'est un objectif. Okay. Et que nous arrivons à un certain niveau, mais nous pas qu'à dire que l'implanter, Jean, pour l'aïr. Parce que nous ne parlons pas de menti. Mais maintenant, c'est même gens, plus bas, même gens, tout même santé, tout. Et en général, il n'y a pas de toute communauté. Toute communauté dans le pays. Donc, pile l'autre aspect. Maintenant, c'est progressivement pour apprendre. Parce que la première étape, là, je nous ai dit, c'est premièrement faire mon comprendre qui s'est santé. Deuxièmement, c'est intégrer dans l'éducation. Et éducation scolaire et universitaire. Et pour cela, il y a deux formes. Il y a la forme curriculaire, c'est-à-dire l'un curriculum, là, si vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas fait si vous étudiez par cœur et puis la précité. Okay. Parce que ça, le docteur, très souvent, il connaît ça, puis il fait, puis il n'est pas malade, mais pourtant, il fait. Il fume en pile, il connaît le cancer. Mais question de la pratique, question pratique. Donc, ça, c'est l'intégration. L'un curriculum, là, qui sont aspects. Mais maintenant, aspect qui est plus important, tout, c'est l'intégration. Ça nous relève parascolaire, c'est-à-dire les activités qu'on fait avec jeunes, l'atelier qu'on fait avec eux, le club de santé, nous venons pour nous parler de ça, qui c'est un élément qui est fondamental pour nous ces jours-ci. Eh bien, là, si nous avons discuté de questions de santé, de questions d'environnement, de tout ça qui est en rapport avec la santé et la vie, quand la santé est implantée dans la vie,
il faut comprendre ce que c'est que la vie aussi. Donc ce sont des aspects qu'il faut introduire au fur et à mesure dans le système éducatif. Et la question du bonheur, puisque la santé est définie comme un bien, état de bien-être physique, mental et social. Mais ça, c'est le bonheur. Si vous avez un bien-être physique, mental et social, c'est le bonheur. Oui. Mais la santé, pourtant, n'est pas égale au bonheur. Le bonheur est encore plus profond, mais la santé, c'est un élément important pour le bonheur. Parce que quelqu'un qui dit bien-être, son thème osé, son rêve, son idéal qui visé par tout le monde. Mm-hmm. Donc, et c'est en fait, c'est ça. Mais, j'en dis, on ne peut pas résumer à la santé. Bien-être l'arrivé plus loin que santé a, bien que bien-être l'en fait partie de santé a et santé a fait partie de bien-être. Absolument. N'a pas proposé à Naptounen pour nous venir expliquer mon élément qui gagne dans la santé scolaire. Là. D'accord. Et je pense que je suis la bonne personne avec aujourd'hui pour me parler de santé scolaire. Je l'espère. N'a pas proposé à Naptounen. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans le centre à l'école cosmétologie et stage pratique dans le pays à tant aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Après la première édition qui a fait danser Haïtiens et Dominicains à Dajabón, République Dominicaine, danse binationale. Sous l'initiative de Casa Latina École de Danse, lance à Marriott Hôtel Port-au-Prince, le samedi 1er septembre à 8h du soir, sa deuxième édition. L'île entière, en bonne complicité, va encore danser sur des chorégraphies haïtiennes et internationales, avec la participation de plusieurs écoles de danse. Silla Dance, Tempo Plus, C4 Dance Sport, Alesi Dance, Sharp Dance. Et pour représenter la République Dominicaine, le groupe Roldan y el Teatro Popular Danzante au grand complet. Danza y Amista, une belle invitation, une affiche internationale pour marquer l'été 2018. Danse et amitié, parce que danser nous rapproche, parce que danser renforce l'amitié. Les billets au prix de 1500 gourdes sont disponibles à Marriott Hotel, Kingdom Hotel, Elite Hotel, Gamebox Pétionville, Danza y Amista, spectacle supporté par El Shaddai Quincaillerie, Institut Doigt pour tout le monde, Amir Inteka, JHS Autoparts, Kingdom Hotel, Radio Télé Signal, Radio Télé Kiskeya, Radio Télévision 2000, Radio Télé Éclair, Ticket Magazine, Leslie Center, Télé Zénith, Thomas Sécurité, Elite Hotel. Pour information, appelez au 31 33 0702. Mesdames, chevin se fiatin? Si m'ta reme gen bel cheve bien founi, mande produit Santra Kayo. Gam produit Santra Kayo bon pou cheve naturel tan pou cheve permanen. Ti moun kon gran moun ka servi ave yo. Si cheve rabone, yo pa prenen permanen, bote tou kale, yo pa bel, yo fè chit, yo pa founi, yo gen kap. Exige produit Santra Kayo nan tout famasi, market ak studio de beauté. Tout fom ki fom servi ak produit Santra Kayo. Rele Santra Kayo nan 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Santra Kayo pour une chevelure à fière allure. Santra Kayo l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne ak tout l'autre monde qui s'a intéressé que Santra Kayo gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui vient. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe ak coiffure. Séminaire sa yo a réalisé avec spécialiste États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite. Fin augmenter connaissance ou pour ka faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, on va payer $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Santra Kayo l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Tout n'est après pause là, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Santra Kayo École Cosmétologie, une école de standard international.
inscription yo a poursuivre. Vini inscrit pour nous capable faire partie soit dans groupe en semaine qui c'est mardi mercredi ou bien dimanche pour monde qui pas gain temps midi pour 5h et année ça nous ouvrons école de coiffure inscription déjà commencé en 3 mois on va faire toute coiffure qui existait coiffure africaine cheveux naturels cheveux défrisés donc même si pays naturel comme si préparer cheveux donc dans cours ça pendant 3 mois on va gain un professionnel mon qui a accès à marché travail là dans studio ou bien la caillou pour jeune les debout. Émission Bien-être et Beauté est supportée par Université Mont-Everest qui c'est une université moderne qui répond avec normes standards internationaux, il y a médecine, infirmière, sciences de l'éducation, comptabilité, gestion et école de droit, donc sciences juridiques et nous connaît que c'est docteur Colo qui a un doctorat en droit qui c'est recteur université ça. Donc adresse en li facile c'est rue Caméléon numéro 12, on adresse bien facile. Inscription est en cours, pressé à l'inscrire parce que c'est sous concours que on prend monde. Donc une université sérieux. Émission Bien-être et Beauté, est supportée tout par Polyclinique Christina, deux adresses pour vous servir, Clessine en face Bimna ou bien rue Saint-Honoré. Jodi an émission Bien-être et Beauté, nous gagnons un expert en santé scolaire avec nous. C'est le directeur du ministère de l'Éducation nationale en matière de santé scolaire, direction santé scolaire, on dit bien, c'est docteur Erol Joseph. Que dans la première partie, on a parlé un peu de qui ça santé lié, santé scolaire, qui ça exactement lié en termes de approche, de termes, de concepts. Donc, dans la deuxième partie, docteur, on a parlé de éléments qui doivent contenir, non? On a parlé de santé scolaire, qui ça le gagne là-dedans. Ok. C'est très important, nous avons parlé de grands objectifs que nous gagnons. Mm-hmm. Mais maintenant, lorsqu'on parle de santé, il y a plusieurs aspects. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours divisé santé, mm-hmm. toujours fragmenté santé. Mm-hmm. Par exemple, lorsqu'on prend des jeunes, mm-hmm. par exemple, la question de l'hygiène, de l'hygiène à l'école, mm-hmm. sont éléments importants de la santé, la question de l'environnement scolaire. Autrement dit que si l'environnement d'apprentissage là pas correct à l'école, mm-hmm. et à l'université, tout le monde n'a pas qu'à apprendre. Ouais. Ça me dit là. Et non seulement pas qu'à apprendre, mais il est malade. Oui. Il est capable de développer typhoïde, parasite, il est capable de malaria, tout, reprendre donc toute bagarre qui arrive. Donc, autrement dit, faut environnement scolaire là, il est propre. Et épidémie choléra, justement, t'es montré nous ça en 2010, mais nous nous retourner sur ça. Mm-hmm. Donc, faut environnement, faut qu'on agisse sur environnement scolaire là, sur question hygiène. C'est nous mettre à peu près dans le même package. Maintenant, le cadre de référence santé scolaire là et qui servit à élaborer politique nationale santé mm-hmm. scolaire là, qui faut qu'on finalise. Hein? Mm-hmm. Ok, nous parler tout de l'autre aspect. Par exemple, la question de la santé sexuelle et reproductive okay. et que au niveau du ministère de l'Éducation, nous allons élargir davantage en parlant d'éducation sexuelle. Ok. Ok. Par exemple, santé sexuelle et reproductive. Hein? Il pas résumé seulement à bail des conseils pour et ça pour parents, c'est parce que bien fond de santé sexuelle et reproductive là, c'est que on connaît que grand pile jeune fille qui obligé à abandonner l'école parce que yon grossesse à un âge que pas supposé gagner, ça la grossesse précoce. Donc ça montre les liens qui existent entre santé et éducation et c'est ça bien fondé santé scolaire là. Est-ce que nous gagne chiffre de ti monde qui abandonné soit par une grossesse et précoce. Oui, nous gagne elle même pas gagne dans tête moi qu'on y a là et c'est un élément que nous t'ai utilisé en pile nous tape focus à un moment donné plus sous question de la santé sexuelle et reproductive et de l'éducation sexuelle. Donc faut que ti monde comprenne la question de la santé, c'est pour une éducation sexuelle. Qu'est-ce qui fait approche ça, professeur ou approche bien? Approche non supposée faire avec professeur là, mais le problème qui s'est posé mm-hmm. et nous te dit et nous peut-être nous allons aller là ne pas sortir, c'est que à un moment donné nous convaincrons nous compte que timounio, ti jeune fille ou ti jeune garçon, ils comptent plus que passer professeur très souvent. À un moment donné, ils comptent plus connaissance dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive que professeur. Et c'est ça que fait à un moment donné, et nous continuons à faire toujours, faire l'éducation pour les pères. Quand on a des jeunes élèves que on prend et on fait formation pour eux, mais assez interactive, bah, visuelle, on fait conseiller comprendre dans ces bagages. Côté eux-mêmes, on compte porter message là, ni dans le foyer, ni par les parents, et ainsi de suite. Donc maintenant, qu'on le veuille ou non, nous pas qu'à faire économie, nécessité
pour quand même professeur c'est lui-même pour faire là à un moment donné et que les professeurs tout qu'on participer dans toute activité les journées santé jeunes les émissions télévisées qui étaient jeunes parler séries télévisées qui sont des jeunes qui qu'on a parlé de santé nous faire ça en pile OK donc autrement dit à un moment donné faut venir arriver faut l'encourir curriculum là faut avoir des professeurs tout capables enseigner ces aspects mais pas seulement la santé sexuelle ou reproductive mais l'aspect santé parce que pas oublier tout avec ministère santé publique chaque année bien que année ça n'est pas fait parce que il y a un problème et bien il y a une formation en promotion de la santé qui fait en faculté de médecine et de pharmacie à l'intention des gens de la santé et des gens de l'éducation mais ministère santé nous fait avec ministère santé et avec le réseau francophone international pour la promotion de la santé le RIFIPS et des gens de la santé publique du Québec son formation certifiée qui fait en faculté de médecine et pharmacie ils vont durer 5 jours OK côté ou faire monde comprendre aspect santé qui ça détermine santé gain module santé environnement gain module santé scolaire que nous-mêmes nous responsables vous comprendre toute une série de aspects mais c'est pas la santé clinique on va montrer monde on va traiter donc en résumé donc autrement dit nous avons commencé à parler de questions domaine d'intervention nous parlons de santé sexuelle et reproductive et nous avons parlé d'éducation sexuelle éducation sexuelle il faut aller plus profond gain bagage faut tout monde comprendre la question du dividende démographique côté que leur long pays côté qui est en phase de mutation de et démographique côté grand pile jeune et bien son opportunité liée pour jeunes liée pour pays mais par contre si ou mal utiliser les que jeunes yo même c'est émigré avec migré bien graine petite pirade et bien au contraire il va venir tourner en désastre pour pays et je pense que mon ami docteur et Pierre François elle est très content que nous fait allusion à bagaille ça donc faut que je ne comprenne même la question de l'amour devait être compris par l'enfant donc une éducation sexuelle qui vraiment globale maintenant on dit on a cité un petit peu la question de la violence à l'école sur l'autre thématique qui est importante dans la question de la santé scolaire. Évidemment, ce sont thématiques qui sont transversales. Côté un psychologue qui a parlé de lui. Violence, par exemple. Là, par exemple, où est de l'école, il y en a gouma avec l'autre, il y en a voué roche sous l'autre, et même moins vivre ça. Quand on va faire une formation, et bien fini, il y a tellement voué roche que, ou même, on ne vient pas continuer à faire une formation pour eux. Donc, tu as parlé de violence en côté que professeur qui a bâti mon yo. Bien... Toute violence est très importante. Donc, violence team et professeur qui a fait sous Timoun. Côté Timoun, tout élève fait sous professeur, parce qu'on ne peut pas balancer le sens. C'est ça le problème pays. Hein? C'est que la violence prend naissance dans l'esprit des gens. Okay. Parce que il y a ce qu'on appelle les émotions négatives et les émotions positives. Mm-hmm. Mais des petits mouns dans tout petit, il y a des bagages qu'il faut capable de développer avec elles. Comment pour contrôler? Par exemple, la jalousie, la haine, on t'a dit tout à l'heure dans un petit dialogue, on t'a fait avant, la haine, la division, sont toutes bagages, la haine sociale, ce sont des choses, ce sont les sentiments négatifs qui faire arriver l'on domaine l'égoïsme qui est capable de faire arriver l'on domaine quand on pas de arriver quand puis monde c'est pas assassin c'est assassin mais pas jalousie yo tuer madame ou bien madame tuer mari on comprend ça me dit là donc faut apprendre si monde dominer enfin pas dominer disons maîtriser les émotions négatives donc tout ça sont des choses doivent être apprises à l'école et nous dit ça très souvent la question de la méditation aussi devait être apprendre à l'enfant maintenant c'est qu'est-ce que c'est que la méditation c'est autre chose on aura le temps de parler apprendre à l'enfant à réfléchir sur des questions là nous étant élargi bah là des questions liées à la vie donc il y a plein d'autres aspects par exemple la question des soins de santé à l'école sont l'autre domaine d'intervention de la santé scolaire on pas quatre sur un document par exemple dans l'école qui ça ne fait est-ce qu'on ca gonti infirmerie bah ça l'idée définie est-ce que pour chaque école gon infirmerie là-dedans est-ce que ministère exige ça comme minimum. Il ne suffit pas d'exiger, il faut aussi avoir les moyens de le faire. Et c'est ça le problème qui gagne en Haïti. Justement de l'école là pour le gagner. Oui, mais là, par exemple pour l'école, j'ai l'école nous habitué à ouvrir. Nous avons une petite boîte là et la finalité est ouvrir. Le ministère de l'Éducation nationale a depuis quelques temps, depuis un certain temps, a passé un pile effort pour mettre en régulation le bagage ça. Façon pour nous ouvrir l'école.
ou sans moun pas aucune compréhension de la gestion de l'établissement scolaire et puis l'ouvre l'école ils font boîte qui pas même gain la cour aussi pas même gain la cour mais au bal accréditation ben justement c'est ça le problème parce que c'est même problème ça qui passe dans l'éducation passe dans tout autre domaine mais maintenant est-ce que l'école ça ou va dire qu'il y a un petit infirmier ou même gain côté ou peut-être infirmier mais par contre il y a des ce sont des sont, c'est un bagage que nous pencher sur il a essayé pencher et actuellement la question d'organisation des soins à l'école on l'école supposé qu'on tient infirmier très léger mais si l'état te commencer mettre le palio comprenez on presse par l'exemple bien sûr par exemple l'état dit oui il besoin l'école gain infirmier et puis il commence mettre dans l'école nationale yo il mettre dans lycée yo et puis qu'on y a là mais puis il mande il tape automatique absolument mais moi d'accord avoir et c'est justement le document que nous avons produit sur ça c'est ça il dit mais comment vous faites mais maintenant vos questions d'assurance scolaire tout ça dit souvent qui est assez complexe elle dit que prend petit monde ou font infirmerie mais qui est souvent mettre l'infirmerie est-ce que sont ou mettre un infirmier oui mais infirmier là lui même qui gagne une formation assez pointue ou prend le ballon combien corps pour aller bali pour rester dans l'école là pendant de 6h du matin à 6h ou bien 7h du soir. Donc c'est facile. En tout cas, ce sont des choses où nous pas qu'à discuter là. Mais par contre, nous proposer des orientations et nous discuter avec la commission et présidentielle sur la réforme santé scolaire. Okay. Nous avons discuté sur ça, il y a un document qui était produit. Si, oui. Donc oui, mais maintenant, c'est fait l'atterrir. Oui. Vous comprenez? Maintenant, toute l'école, vous avez supposé gagner, mais toute l'école n'a pas gagné, nous comptons ça. Okay. Mais par contre, les grandes écoles, d'ailleurs, même la question des écoles, ça nous est l'école. Ça ne se met pas l'école. Est-ce que l'école va l'exiger? Maintenant, c'est une raison qui fait que la question hygiène devient paraître pour nous en grande priorité après l'épidémie 2010, l'épidémie choléra en 2010. Là. Qui veut montrer que, eh bien, puisque je nous quitte l'éducation à bouler là, on ouvre l'école n'importe qui, j'en, même si le ministère a fait un pile effort, chaque ministre qui paraît tout faire effort. Mais bah, la gare quand même. Maintenant, on essaie de voir si à travers l'hygiène et la santé, nous capables d'améliorer la qualité de l'éducation. Autrement dit, et si c'est ainsi que nous avons élaboré, et de concert avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires comme la DINE, parce que ton projet est financé par la BID, le projet certification des écoles amies de l'hygiène. Parce que après l'épidémie choléra, on a toujours posé tête une question pour qui ça a choléra, l'irrité, l'antipays en Haïti, tandis qu'aux États-Unis, Canada, en France, il n'y a pas arrêté. Et parce que pas de conditions. Pas de conditions pour arrêter dans l'autre pays. Eh bien, ça nous a fait, nous a dit que avec les différents partenaires, avec l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, et puis c'est un financement de la BID, nous avons dit on définit une série de critères pour qu'on l'école a mis de l'hygiène. Et l'école, ça y est, c'est comme si on proposait une sorte de modèle. Et les critères, ça y est, nous sommes un sport pour nous, et nous avons défini avec les différents partenaires. Et l'école qui respecte les critères, ça y est, nous avons évalué. Et toute l'école qui a construit, qui nouvellement reconstruit tout, ils ont exigé et respecté ça, tous les critères. La direction du génie scolaire du ministère de l'Éducation, qui est là pour ingénieur départemental, ils ont été formés dans tout le domaine. Ça, donc, finalement, nous sommes arrivés à 152 écoles amies de l'hygiène. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus, non? Qu'il n'y a pas plus. Mais maintenant, c'est ça que nous avons réalisé et au fur et à mesure, nous avons réalisé. Maintenant, le projet, ça a été fait, il a été clôturé. En novembre 2017, le ministre de l'Éducation a distribué plaque d'honneur à toute l'école. Ça y est. Mais maintenant, le problème, c'est de faire compter. Parce que une chose qui est un critère, c'est que, premièrement, il faut que l'école là gagne un certain nombre de toilettes par rapport à nombre d'élèves. Là. Si l'école là gagne 10 000 élèves et puis elle finit, elle gagne 5 000 élèves et puis elle gagne 2 graines de toilettes. Donc le ratio toilettes-élèves, c'est un ratio important. Question de séparation toilettes pour professeurs avec élèves. Question de séparation toilettes-filles, toilettes, tout ça, le critère. Il faut que l'école là est clôturée pour ne pas venir entrer dans la toilette là, pour ne pas entrer. Il faut la couler l'école là propre. Il faut qu'il y ait une poubelle sous la couler l'école là et dans chaque salle de classe. Et entretien, les robinets cassés. Il faut qu'il y ait savon, il faut qu'il y ait papier toilette. Évidemment, papier toilette n'est pas entré dans le critère là, mais il faut gagner la base. Mais maintenant, nous devons colter nous à qui ça a un problème, à savoir que le problème qui est lié à toute question de projet. Projet à fait financier, bid by gros applaudissements, tout le monde a gros applaudissements, mais le suivi. Le suivi. Or, pour gagner entretien dans l'école,
Mais l'État fait ça. Bon budget. Oui, mais nous tous dit l'État, mais l'État très souvent, bah pas facile pour l'État, mais l'État souvent pas prend responsabilité tout pour nous d'accord. Mais nous connaît que actuellement, ministère de l'éducation a grand pile effort qu'a fait, ou il y a un ministre qui fait un pile effort et il y a l'autre qui te fait tout. Vous comprenez? Donc maintenant l'école ça pour le capable entretenir. Faut que corps pour l'acheter papier toilette. Si un robinet est cassé, faut le capable casser. Bah ali, si toilette la pas ca floche, gien bagaille. Faut et gien bagaille pour changer. Faut suivi en fait. C'est pas seulement suivi, faut gagner un budget d'entretien. Oui, mais or, c'est combien les or est-ce que les faut gien gérant tout, gien l'école qui tellement va soit l'état nommé gérant tout. Or ouais, notre problème l'état gagné là fait payer monde tout bas professeur tout ceci tout cela. Donc nous vinn voir que faut gon budget entretien. Or nous rendons compte que et après tout après projet et même depuis avant nous avons réfléchi sur comment projet a venir tourner un programme que l'a extrêmement difficile en l'état actuel des choses pour nous dire que l'état a un budget pour chaque école. D'ailleurs parents et pauvres c'est deux c'est 1000 gourdes de supposé payer dans l'école publique seulement et ministère interdit pour monde payer plus. Bon point. Et nous comprendre. Parce que avant, on m'a quitté rapidement. Parce que j'ai fini déjà, on va même bien comme pour renouveler. Non, non, pas fini, il n'est pas fini. Parce que l'amblée arrive à avoir. C'est que nous voulons que le bon budget entretien est difficile. Mais par contre, on est capable de créer un club de santé dans l'école. Côté élève eux-mêmes, il y a aidé dans l'entretien. Il n'y a pas dit obligatoirement tout travail, tout âge, c'est quoi le faire. Club de santé. Mm-hmm. Donc, on apprend à préposant. Donc, ça veut dire que c'est un élément d'entretien. Okay. Parce que l'élément d'entretien, il y a quatre grands éléments. Là, il y a toute infrastructure qui est là, le sanitaire. Là. Premièrement, il y a une infrastructure. Il faut avoir un enseignement à l'hygiène et enseignement à la propreté qui fait à l'école de manière pratique. Il faut avoir une supervision technique tout. Mm-hmm. De matériel qui gagne dans l'école yo, et en même temps on a un club de santé qui a joué un rôle participatif et qui là pour communauté mais n'a prend pause vous dire n'a prend pause n'a tourner nous va parler de maladies qui nécessitent éviction scolaire yo. Ça me penser ça c'est okay. Supposé important n'a proposé n'a tourner mes amis tendez une bonne nouvelle centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans le centre à l'école cosmétologie et stage pratique dans le pays à travers les États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Après la première édition qui a fait danser Haïtiens et Dominicains à Dahabon, République Dominicaine, danse binationale. Sous l'initiative de Casa Latina École de Danse, lance à Marriott Hotel Port-au-Prince, le samedi 1er septembre, 8h du soir, sa deuxième édition. L'île entière, en bonne complicité, va encore danser sur des chorégraphies haïtiennes et internationales, avec la participation de plusieurs écoles de danse. Silla Dance, Tempo Plus, C4 Dance Sport, Alesi Dance, Sharp Dance. Et pour représenter la République Dominicaine, le groupe Roldan y el Teatro Popular Danzante au grand complet. Danza y Amista, une belle invitation, une affiche internationale pour marquer l'été 2018. Danse et amitié, parce que danser nous rapproche, parce que danser renforce l'amitié. Les billets au prix de 1500 gourdes sont disponibles à Marriott Hotel, Kingdom Hotel, Elite Hotel, Gamebox Pétionville, Danza y Amista, spectacle supporté par El Shaddai Kankairi, Institut Doi pour tout le monde, Amir Inteka, JHS Autoparts, Kingdom Hotel, Radio Télé Signal, Radio Télé Kiskeya, Radio Télévision 2000, Radio Télé Éclair, Ticket Magazine, Leslie Center, Télé Zénith, Thomas Sécurité, Elite Hotel. Pour information, appelez au 31 33 0702. Mesdames, chefin se fiatin? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits sans tracaille. Gamme produits sans tracaille bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, vous ne pouvez pas prendre un permanent, vous êtes tout calé, vous n'êtes pas belle, vous faites chier, vous n'êtes pas fourni, vous avez un cap. Exigez produits sans tracaille dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi à produits sans tracaille. Relais Centre Aka dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information.
sans caca pour une chevelure à fière allure. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca gagne 4 séminaires qui programmés pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite. Fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, on va payer $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85 avec Centraca l'école cosmétologie. Soyons des créateurs de beauté. Nous tournons à propos de pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Et l'émission Bien-être et Beauté est disponible sur YouTube. C'est en tapant émission Bien-être et Beauté. Et puis, vous avez toute émission qui passait déjà. Vous pas oublier nous dire ça toutefois. C'est que l'émission est sous troisième année. Nous avons des sponsors, tout le monde qui a un business, qui remet l'émission, hein, qui a un moyen quelconque pour aider l'émission. Donc, nous avons besoin de sponsors pour nous rester dans l'air. Donc, l'émission a gagné quelques fanatiques qui ont supporté pendant mois ça. Nous avons gagné Mont Everest, l'Université Mont Everest. Nous avons gagné Polyclinique Christina. Et nous avons gagné Centre École Cosmétologie, qui est le plus gros patron de l'émission. Qui a dit nous venez inscrire parce que l'inscription a déjà commencé dans l'école. Là. Si on est allé dans 31 53 55 39 ou bien 43 06 42 85, pour capable joindre information pour école coiffure qui a duré 3 mois et école cosmétologie qui ont duré de 9 mois jusqu'à examen d'état, et ou même qui inscrit jusqu'à 19 août ou a bien accès pour participer dans graduation l'école qui a fait 26 août. Et ça m'a profité avant que intervenant parler, c'est que 27 août c'est anniversaire, 26 août m'a fêté ensemble avec mesdames une graduation. Donc pendant temps ça, il y a un grand spécial dans centre Aka. M'a pas annoncé spécial qui ça ouais, relais ou bien passer pour dire réclamer spécial pour là pour moi d'août toujours bail spécial dans centre Aka pour anniversaire. M'a dit les mon a fêté, on m'a demandé cadeau, moi les m'a fêté c'est bail cadeau. Donc viens prendre cadeau pour là dans centre Aka avec un prix très réduit pendant tout mois d'août. Jodi an nan émission Bien-être et Beauté, n'a parlé de santé scolaire qui sont terme un petit gens flou pour un pile monde qui pas vraiment comprendre qui ça santé scolaire là yé. Yo pas vraiment ouais présence ça qui relé santé scolaire là, parce que moi pendant tout temps de l'école ni primaire, secondaire, université, m'pa conjoint un intervenant comme si t'as parlé de santé scolaire à part hygiène, sciences hygiène qui te gagne dans l'école. Donc nous avec directeur santé scolaire là là qui c'est docteur Erol Joseph, on parle de maladies qui capable nécessiter pour ti moun pas venir l'école l'el gagne. Ouais. Yo relève de maladies qui demande une éviction scolaire, c'est ça? Oui. Alors pas éviction ou du moins ça me capable dire en quarantaine pendant un certain temps. Bon. OK, souffle. Bon. Bon, maintenant on bon, voilà. Bon, maintenant oui. Non, l'autre éviction capable parce que autrefois donc depuis qu'on grossesse précoce, c'est vous voulez aller, ça c'est éviction scolaire. Ti moun ale net, ti jeune fille, il pas tourner encore, il pas quitter le tourner parce que ah non, c'est comme si que la cour en plot yo. Mm-hmm. Donc là ça grossesse là il pas en indicateur. Maintenant on t'a parlé de test, ça les pias là. Mm-hmm. Ça sont maladies qui contagieuses et que les ti moun gagne à ce moment-là on connaît qu'il est très contagieuse, pias là très contagieux à ce moment-là pendant un certain temps jusqu'à ce que ou gagne preuve que ti moun guéri. Mm-hmm. Ou capable empêcher que lui-même lui fréquenter l'école là. Bon, des maladies qui beaucoup plus bas, comme une petite base, une tuberculose par exemple. Mm-hmm. Il fait preuve que son tuberculose qu'il gagne, donc évidemment, son maladie contagieuse. Mais c'est le rôle aussi de l'État, du ministère de la Santé publique, justement, pour qu'on ait que les grandes épidémies gagnent des problèmes pour être capables de protéger la population de monde qui est malade. Ouais. Mais est-ce que ça entraîne l'attribution santé scolaire? Ça, ce n'est pas l'attribution santé scolaire, parce que là, c'est le ministère de la Santé publique. OK. Bon, évidemment, nous au niveau du ministère de l'Éducation nationale, surtout le ministère de la Santé, mais quand même
santé scolaire li pa ka travay pou kòl. C'est ensemble qui travaille avec le ministère. Oui, ça veut dire ça, c'est santé publique qui vous fait ça. C'est santé publique, mais de concert avec. Par exemple, on prend les parasitoses. Mm-hmm. Moi, c'est très simple. Ça, c'est pour moi, le cas d'éviction. Parce que là, on a des parasitoses. On ne peut pas empêcher de venir entrer l'école. Mm-hmm. Mais maintenant, le ministère de la Santé publique, il organise ce qu'on appelle des campagnes de déparasitage ou albendazole régulièrement. OK? Eh bien, c'est de concert que ils permettent d'entrer. Et agent de santé ou bien professionnel de santé en dans l'école, sinon il va pas rentrer. Ça me donne, donc c'est ça qui fait de concert. Mm-hmm. Donc même j'ai tout la question de la vaccination, du carnet vaccinal qui se pose à jour dans le préscolaire. Donc, on parle de carnet de vaccination, on a invité responsable l'OS dans la vaccination. Mm-hmm. Et il parlait de faux carnet vaccination comme si carnet a gagné un vaccin ou la donne, pourtant c'est pas vrai. Donc nous on a qui ça nous est mon pays des fois émission là mon capable jeune sur YouTube laisse on t'a parlé de diphtérie et on a parlé de vaccination et responsable dit que c'est pas tout carnet comme si qui voulait dire que tout monde prend vaccin en vrai. Là l'école n'a pas qu'à connaître bagaille comme ça. Ça veut dire faut que nous gagne des responsables qui fait des travail qui doit conscient de ça parce que petit tout cas l'école en santé le fait que la en contact avec un conseil de timoun qui pas prend vaccin qui pas immunisé comme c'est qui pas protégé contre maladie ça et puis pour pas propager maladie dans l'école non. Donc vaccination pas fin ça net puisque le pas il y a des monde qui pas sérieux qui dans système n'a fait ça que pas ça mais premier intérêt vaccination tout c'est que il protéger timoun qui pas et il protéger timoun là lui-même oui ça me donne donc il a dit que timoun là depuis avant il prend vaccin oui. Bon maintenant en ce qui concerne les comme les trucages, oui. Vous connaissez en Haïti son oui. Pays, c'est comme ça, toujours, on passe à côté. Mm-hmm. Donc maintenant, donc c'est le rôle du ministère de la Santé publique, c'est le rôle également de notre des médecins, parce que parfois, il y a des gens qui sont médecins, tout capable de faire n'importe qui papier, oui. Même n'importe qui certificat médical, mm-hmm. Ça arrive tout, vous comprenez? Bon, c'est donc, pas même danger. Fait, non, c'est pas même danger. Donc mm-hmm. Ça pour nous dire, c'est que, en fait, ça m'a dit que l'éducation n'a pas qu'à marcher bien mm-hmm. Si la santé n'a pas marché bien. Si environnement, c'est tout le monde qui vous fait travailler dans le pays. Hein. Ouais, ça me donne. Donc, il y a des choses que nous avons fait en santé scolaire, mais si il y a tel domaine lui-même qui n'a pas avancé, il est difficile pour nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que bah, il y a global. Et nous avons fait plaidoyer justement pour une santé globale, une santé universelle. Ouais, ça me donne. Ouais. Donc, et question vous posez, hein, à savoir que question de la quarantaine, c'est une question qui pose. Mais, évidemment, il y a encore plus grave, on comprend que qui nous essayons de résoudre. Ah, ok, dans le niveau santé scolaire là? Dans le niveau de l'école, vous comprenez? Ah, okay. Parce que par exemple, au point de l'école et que Timounio fait besoin sous la cour. Bon. Sous la cour de l'école. Là. Gen fatra. Là, on dit gen fatra, gen rat. Le par exemple, ça veut dire que dans pile malade, ou qu'après, ou qu'après un typhoïde, ou qu'après un leptospirose, une rate, ou qu'après un malaria, ou qu'après tout, ou qu'après tout, tu vois, ça veut dire un pilote de bagaille. Donc, autrement dit, il faut pas avoir santé, un aspect seulement, il faut avoir tout aspect, oui. Tout package là qui gagne. Non, c'est que moi, je fais une émission là déjà avec des responsables sur bien-être à l'école, à l'université. Comme si qui ça s'amendait en termes de bien-être. Oui. Mais moi, avoir à faire santé, dans mi temps l'école. Dans mi temps l'école. Mais bien-être là tout nous dit hein, même ça arrive la question du bonheur. Bon comment les scientifiques, ils parlent le bien-être subjectif. Oui, c'est ça dans tout là, on parle subjectif. Et là dit les par exemple OMS du collé et la santé son état de bien-être physique, mental et social. Bon pas de subjectivité. Oui. On parle de subjectivité là, bon pas d'objectivité, mais quelle est la limite entre la subjectivité et l'objectivité? Tout ça avance dans l'autre domaine. Mais pour me dire que santé scolaire là son bagage vaste et plus gros nous gagnons actuellement plus gros défi nous gagnons actuellement c'est justement projet à fini ou dit mais pas fini parce que dès le départ on a toujours dit que son programme qu'on a mis sur pied mm-hmm. Donc il faut des clubs de santé pour aider que ça continue et actuellement nous ça commence à faire déjà côté et avec l'UNESCO en particulier nous gagnons un projet d'entrée, parce que nous considérons ça comme une porte d'entrée, côté dans les écoles, côté une direction qui est solide, parce que une raison, un facteur pour que entretien l'école soit fait, pour que la santé scolaire vienne en réalité, il faut qu'on trouve une direction de l'école qui ait un leadership. Okay. Et nous commençons à mettre le club santé dans certaines écoles qui ont un leadership. Okay? École nationale, école publique et non publique. Okay. Autrement dit, nous commençons dans le sud, dans le sud-est, nous sommes dans le sud-est. Côté nous, 3 ou 4 écoles
qui gagne un leadership et qui nous montre comment puis on mettait club santé dans l'école et puis nous dans le sud-est qu'on y a nous pour faire dans l'ouest et actuellement on a travaillé tout avec le groupe Combit Nettoyage qui sont une initiative qui ont fait dans l'ouest pour nous voir comment on a fait club santé vivre en réalité et permettre que entretien permettre que tout le monde dans tout li pas senti que li senti que le cas utile dans l'école li cas utile dans communauté parce que une exigence club santé parce que club santé sont association d'élèves qui coiffé par un parent et un professeur li capable de professeur tout ça oui. OK non, et puis qui là justement pour aider pour porter l'école là mais pour faire question santé en marché dans l'école là et une façon pour mettre c'est 3 élèves chaque salle de classe et un comité de représentation pour te montrer direction l'école mais comment vous faire gain comment c'est faire OK et nous aller dans sud dans sud-est pour nous comment vous faire pour nous corriger mais comme qu'on est gain rentrée scolaire là OK qui va le faire nous même un plan que nous proposer des principales activités au projet que les 3 principales activités au projet on va mener pendant l'année scolaire. Donc, c'est ça. Et très prochainement encore, nous allons faire ça dans l'Ouest avant la rentrée scolaire et pendant la rentrée scolaire, une ça nous viser, c'est que la question santé apparaît dans la rentrée scolaire. Okay. On parle de rentrée scolaire très souvent, on va prendre le ministère le ministère arrivé, oui. Bon, on a fait ça c'est une norme. Donc oui. Excusez-moi si c'est trop long mais j'espère oui, oui. Que auditeur yo parce que nous pour ta développer rentrée scolaire. Nous pas développer. Nous pas développer mais nous voulons dire que oui, nous voulons dire tout simplement que à l'occasion de la rentrée scolaire, il faut question santé on parler de lit, question de toile, question de poubelle dans l'école et dans chaque salle de classe, que c'est entretien l'école et faut timoun l'école qui certifie à mi d'hygiène yo, faut que fait promotion club santé et puis dit mais club santé mais plaque d'honneur qu'on doit recevoir et puis en même temps avec d'autres directions comme la DAEP et d'autres n'a travaille ensemble pour nous voir comment santé a vu en tout cas tout le monde voit que directeur a travaillé grand pile projet bon n'a travaille oui n'a directeur a travaillé donc et sous ta gon dernier mot émission censée arriver dans fin sous ta gon dernier mot dans une minute c'est ça bon là une minute c'est que je pense que ça qui est important en Haïti en particulier et dans tout ça n'a fait c'est la question de la continuité. C'est ça qui est important. Et sur ça, nous mettons accent. C'est-à-dire que l'on bagarre fait, par exemple, comme il y a un nouveau premier ministre qui peut le monter. Mais il faut regarder dans chaque ministère qui ça cap fait, qui porteur, qui est intéressant. Et puis, essayer d'encadrer. Parce qu'il y a 10 ans, non pas, ça veut dire que c'est non. Toujours même cas ou même qui là, bon, chaque année, oui, ou oui, ou oui, 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 problème d'instabilité. Parce qu'il y a une direction, c'est chaque ministre. Qui vini au changer, ça veut dire ou même dire santé scolaire là pas un problème ça. C'est ce que la capable. C'est ce que là pas un problème mais c'est ce que victime tout de l'instabilité. Par exemple, les instabilité dans le pays, grand pays bail qui pas capable continuer. Vous comprenez? Donc si par exemple on va commencer, faut qu'il continue et jusqu'à présent nous pas qu'a dit que nous gain gros problème dans le ministère éducation nationale en termes de santé scolaire. Oui. Non, nous pas qu'a dit ça, évidemment, ou un des problèmes, ça c'est normal. Mais maintenant, là parler au niveau global. Au niveau global, l'organ pays, tout ça qu'a fait, il faut qu'on continuité. Il faut corriger ça qui t'est manqué et puis il faut aller, continuer à aller sur la même lancée et améliorer. C'est un grand plaisir. Par contre, on me dit ça, que vous êtes disponible. Vous avez un petit problème technique, c'est vrai, mais nous arrivons à faire émission. Hein? Et ça me prend pile temps. Nous m'en excusez-vous ça. Donc, mais nous disons merci en pile parce que vous avez grand pile d'informations pour partager à public en matière de santé scolaire. Et vous avez fait une relation qui gagne entre santé, bien-être et l'école. Donc, c'était un plaisir pour nous, pour nous avoir un docteur Joseph dans l'émission Bien-être. Je suis venu pour faire cheveux à tout. Oui, dans Santé Akar. Adresse à Delma 31, oui, Jacques Premier. Tout prestation tap-tap là, bien facile. Et pour capable venir avec mon nom avec l'autre. Nous bien contents, l'émission censée fini. Nous dit tout le monde qui t'a regardé nous un grand merci ou même qui rate l'émission ou apprendre sur YouTube on tape émission bien-être et beauté et on va nous aller n'a rappeler sponsor nous c'est Université Mont-Everest avec plusieurs facultés et qui vient la donne là c'est médecine, infirmière, sciences de l'éducation, école de droit et puis sciences économiques et communication qui gagne toute gestion la donne. Donc adresse en facile c'est 12 rue Camille Léon, Université Mont-Everest, Université moderne à l'inscrit parce que c'est sous concours que y a prendre. Donc polyclinique Christina, nous bien content pour support que la banou et
Centraca vin inscrit pour cours coiffure cosmétologie. Et avant m'aller tout m'a remercier Odette qui t'est maquillé nous étudiante l'école étudiante finissante école c'est Centraca école cosmétologie qui t'est maquillé nous aujourd'hui. Un grand merci avec vous même tout. C'était avec vous Léonie Desroses infirmière cosmétologue tricologiste qui a dit bye bye dire mes amis. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centraca Louvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centraca l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tankou États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout kon salye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même nan Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Après la première édition qui a fait danser Haïtiens et Dominicains à Dahabon, République Dominicaine, danse binationale. Sous l'initiative de Casa Latina École de Danse, lance à Marriott Hotel Port-au-Prince, le samedi 1er septembre à 8h du soir, sa deuxième édition. L'île entière, en bonne complicité, va encore danser sur des chorégraphies haïtiennes et internationales, avec la participation de plusieurs écoles de danse. Silla Dance, Tempo Plus, C4 Dance Sport, Alesi Dance, Sharp Dance. Et pour représenter la République Dominicaine, le groupe Roldan y el Teatro Popular Danzante au grand complet. Danza y Amista, une belle invitation, une affiche internationale pour marquer l'été 2018. Danse et amitié, parce que danser nous rapproche, parce que danser renforce l'amitié. Les billets au prix de 1500 gourdes sont disponibles à Marriott Hotel, Kingdom Hotel, Elite Hotel, Gamebox Pétionville, Danza y Amista, spectacle supporté par El Shaddai Kankairi, Institut Doi pour tout le monde, Amir Inteka, JHS Autoparts, Kingdom Hotel, Radio Télé Signal, Radio Télé Kiskeya, Radio Télévision 2000, Radio Télé Éclair, Ticket Magazine, Leslie Center, Télé Zénith, Thomas Sécurité, Elite Hotel. Pour information, appelez au 31 33 0702. Mesdames, chefin c'est Fiafen. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca. Gamme produits Centraca bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, vous ne pouvez pas prendre un permanent, vous êtes tout calé, vous ne pas belle, vous ne faites pas chier, vous ne pas fournis, vous avez un cap. Exigez produits Centraca dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi avec produits Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca gagne 4 séminaires qui programmés pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire sa yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite. Fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, on va payer $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.